notre nouvelle reine de beauté Amandine Petit a répondu aux questions de Pure Peuple. Comme la jeune femme de 23 ans, désormais Miss France 2021, s'est exprimée sans filtre sur son couple avec un certain Julien, sa sœur Pauline, les critiques et bien d'autres sujets. Le 19 décembre 2020, le destin d'Amandine Petit a basculé. Miss Normandie a été élue Miss France 2021, et depuis elle enchaîne les interviews. En exclusivité pour Pure Peuple, la jolie blonde aux yeux bleus s'est prêtée au jeu de l'interview VNR. Le principe est simple, notre reine de beauté doit dire à quel point certaines choses de son nouveau quotidien de Miss France l'énervent, non. Les talons de 12 cm, devoir toujours être belle et souriante, les polémiques sur les masques, vivre son revenant en pleine crise sanitaire liée à la Covid-19, la concurrence entre Miss, les hommes. Amandine Petit se lâche et les questions sur son couple, ça la vénère de ouf, lâche-t-elle dans un éclat de rire. Et de s'expliquer, parce que c'est redondant. Quelque part, je savais que ça allait se poser et par moments on arrive à les tourner à la dérision, c'est plutôt pas mal. Rappelons qu'Amandine Petit a tout fait pour préserver son couple. Mais dès son élection et malgré elle, l'identité de son compagnon a été divulguée. Depuis près de 6 ans, elle partage la vie de Julien Georges. Mais échappera-t-elle à la malédiction des Miss France, qui se séparant de leur amoureux pendant leur règne, laquelle a déjà frappé Iris Mittener, Miss France 2016? Autre sujet qui vénère notre. Le physique, ce n'est pas uniquement le reflet d'une beauté d'une personne. Il y a la beauté intérieure. Le physique c'est subjectif, ça plaît ou ça ne plaît pas. Et si ça ne plaît pas, je pense qu'il vaut mieux s'abstenir de commenter, estime Amandine Petit. Enfin, pour finir sur une note rigolote, notre étudiante en master de management des établissements et structures gérontologiques explique que tout partager avec sa sœur Pauline, même les fringues, c'est. Mais je crois qu'elle, si elle passe par là, ça la vénère de ouf, lâche-t-elle, amusie. Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Pure Peuple.